Une boule de poils farceuse, une blonde audacieuse, des caméras traqueuses, découvrez les films à l'affiche du 4 avril. Les épousailles de la semaine. Avec REC 3, remontez aux origines de la peur. Et contre toute attente, tout a commencé par un mariage. Car quand le terrifiant virus s'invite à la cérémonie, les invités deviennent, comment dire, de vrais psychopathes. Vive les infectés! J'ai tout filmé! Mais c'est quoi ces conneries? Arrête! Donne-moi ce putain de connerie! Le Seigneur les a enchaînés dans les ténèbres, dont ils ne ressortiront que le jour du jugement dernier. C'est mon jour. La bébête de la semaine. Ouba Ouba, c'est lui. Mais oui, le marsupilami. Après son incursion dans l'univers d'Astérix et Obélix, Alain Chabat s'attaque à l'adorable bête poilue et entraîne Jamel Debbouze dans un voyage au cœur de la jungle. Marchez toujours derrière moi. C'est un peu bourlingué, hein, ne t'inquiétez pas. Je connais quand même assez bien la jungle. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. En 16 ans de journalisme, jamais. Je vous parle de la découverte d'une nouvelle espèce, d'un animal qu'on pensait qu'il n'existe pas, mais qui existe. Je sais qui. Ça s'en scoupe. T'es qu'un menteur. Je suis pas un menteur. On va convenir d'un signal, un cri d'animal au camp, on se retrouverait séparés. Voilà. Un canard dans la jungle, y'a rien qui vous choque. C'est volant. Attrapez-le. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement avec ce marsupilami? Le capturer pour qu'il me ramène des orchidées pour mon sérum. Enchanté, mademoiselle. Je veux rentrer chez moi, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Allez-y, va. Je me débrouillerai très bien sans vous. Le poupoupidou de la semaine. À l'apogée de sa carrière, Miss Monroe voyage en Grande-Bretagne. À elle, les petits Anglais et surtout un jeune homme qui va découvrir l'envers du décor. Révélée dans Dawson, la subtile Michelle Williams se glisse dans les atours de la célèbre blonde pour My Week with Marilyn. Que fait Marilyn avec mon troisième assistant? Surprise! Non! Reviens ici, Connie! J'ai quelque chose dans l'œil. Je ne vois rien. Prends garde à ne pas trop t'investir, mon garçon. Marilyn Monroe a un faible pour toi? Tu plaisantes. C'est une briseuse de cœur et elle brisera le tien. À ta place, je ne me ferai pas avoir par son numéro de petite fille perdue. Je pense que Marilyn sait exactement ce qu'elle fait. Les gens ne voient que Marilyn Monroe. Que peut-on bien ressentir lorsqu'on est la femme la plus célèbre du monde? Vous pouvez renoncer à tout ça. Oubliez Marilyn Monroe. Oubliez Hollywood. Tout laisser tomber. Le premier amour est un doux désespoir, Colin. Le Big Brother de la semaine. Derrière son ordinateur, un hacker voit tout de la vie parisienne grâce aux caméras postées partout. Quand un couple commet un attentat, il se lance dans une poursuite virtuelle qui va faire très mal. Thriller urbain inventif, aux yeux de tous, risque de vous faire virer parano. Putain, ça ne fait pas exploser. On peut pas revenir en arrière. Oh putain! Oh putain, ça me regarde! Oh non, regardez les images! Calme-toi! T'as eu mon corps, on a fait ça! Tu réalises ce qu'on a fait? On a tué des gens, Sam! Si on les balance, on est mort! En prison, on est cuit! Je joue pas au coin avec elle, elle est où là? Si la situation t'échappe, je m'en occupe moi-même. La prisonnière de la semaine.
Après 8 ans de captivité, une jeune femme est libérée par son ravisseur. Mais son enfermement ne se résume pas à 4 murs. Après un prophète et qu'un seul tienne et les autres suivront, Reda Kateb confirme dans À moi seul son goût pour les rôles torturés du mauvais côté de la loi. T'as réussi à t'échapper. Je me suis pas échappée. Si. Non, maman. Calme-toi, Gaëlle. Je dors pas la nuit, je dors jamais la nuit, tu comprends pas ça? Un paragraphe sans faute et on arrête. Quoi ça sert que j'écris sans faire de faute puisque je sortirai jamais d'ici? Maintenant tu te calmes, Gaëlle, sinon je te boucle jusqu'à demain, t'as compris? Je veux qu'il crève. Mais pas encore attrapé, que je sache. Marche normalement, sans courir, tu parles à personne. Je suis vivante, papa. La gaffe de la semaine. Vous vous souvenez du malencontreux échange de bébés dans La vie est un long fleuve tranquille? C'est un peu la même chose dans Le fils de l'autre, mais en beaucoup plus tragique, au cœur du conflit israélo-palestinien. En parent courage, Emmanuel DeVos et Pascal Elbé font front. Je suis mon pire ennemi, je dois m'aimer quand même. Tu te dis jamais ça, toi? C'est comme si j'existais pas. J'ai plus le droit de me sentir juive, je me sens pas du tout arabe. Je vais devoir truquer ma kippa contre une ceinture d'explosifs. Dis pas ça, ne dis jamais ça. قريب بعد محاصرة وأراضينا مصفى منا شيء يا ويلهم يا اليوم خلقت وانت يهودي حبيبي انت ابنهم de la semaine. Une famille unie et un papa atteint d'un cancer. C'est le point de départ de Pour lui, un drame allemand qui choisit de traiter de la maladie frontalement, comme dans le récent La guerre est déclarée. I was sitting in a crummy movie with my hands on my chin. Okay. Is what you need tonight. So love and mercy to you and your friends tonight. Kommt man zum Arzt, sagt der Arzt, ich habe zwei schlechte Nachrichten für Sie. Sie haben Krebs. Die zweite schlechte Nachricht ist, Sie haben Alzheimer. Und da sagt der Mann, na zum Glück kein Krebs. Love and mercy is what you need tonight. Les traditionnels de la semaine. Avec La nuit nomade, suivez le parcours d'éleveurs à l'aube d'un grand bouleversement des cultures. Et dans ce voyage en terre inconnue, vous ne risquez pas de croiser des équipes de télévision. Les hors-la-loi de la semaine. Une jeune femme française rencontre un Afghan en situation irrégulière. Entre eux, la passion se vit jusqu'à la folie. Drame amoureux et engagé, Low Life est une œuvre militante où pointe un soupçon de poésie fantastique. T'écris un poème? Tu es très jolie. Hier soir, tu m'as dit je t'aime. Non, j'ai pas rêvé. Tu vas me quitter. Quoi qu'il arrive, je t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Ils ont rejeté ta demande d'asile.
C'est quoi ce grévé? Non, j'aime pas ces trucs-là. C'est comment ils appellent ça? Leur arrêt de mort. Ici! Arrête-moi! Je suis mort de trouille. Chaque fois qu'il part, j'ai peur de plus le revoir. Faut pas exagérer, les flics débarquent pas comme ça. Je connais bien Carmen, fais attention. Quand elle s'enflamme, rien ne peut l'éteindre, elle peut se faire très mal. On pourrait se cacher tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dingues. On replongeait dans ce monde sensible, heureux, où tous les hommes dorment dans l'égalité du même sommeil. Et cet endroit du monde, nous l'appelions Low Life. L'objectif de la semaine. Quand les personnages de ces films sortent de la toile pour venir lui rendre une petite visite, le réalisateur ne sait plus où donner de la tête. Petit budget mais beaucoup d'imagination pour cette fantasy française intitulée Réussir sa vie. Tout un programme. Un film où l'érotisme est permanent. Un film qui est aussi une porte, un sas vers un avenir meilleur. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Au cinéma, bien sûr. Voir Réussir sa vie, un film qui se propose de répondre à toutes vos questions et d'anticiper celles que vous ne vous êtes pas encore posées. L'été dernier, par exemple, j'ai pratiqué le naturisme. Et vous? Réussir sa vie, un film qui a choisi de lui-même de sortir dans la discrétion la plus totale afin de ne pas éclabousser par sa lumière les films concurrents. Oh putain. Le dilemme de la semaine. Échangeriez-vous votre voiture contre deux Trabants? Tel est l'intrigant titre d'un documentaire qui explore le concept de banalise. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est la banalise? Vous ne croyez quand même pas que je vais vous gâcher le plaisir? Mais je ne connais pas le banalise qui appartient à oublier. En France, vous connaissez le banalise qui appartient à oublier? Non? La conversion de la semaine. Kate et Léo dans l'eau, la scène de la proue de bateau, si tu sautes, je saute, la main qui glisse sur la vitre de la voiture, le cœur de l'océan, le capitaine jusqu'au boutiste et bien sûr l'iceberg. Et oui, Titanic est bien de retour dans les salles en version 3D. You learn to take life as it comes at you. When the ship docks, I'm getting off with you.